Tu pars déjà? Tu soupes pas ici? Non, non. James a fini plus tôt, fait que il s'en venait me chercher tout de suite, finalement. Bon, OK, mais fais attention. Ouais, ouais, je sais. Étonnez pas ces gars-là, ils peuvent aussi bien être dangereux. James travaille avec moi, maman. C'est correct. Fais-toi-en pas. Hey, les boys! Hey! Hey! Thomas! La légende est là! Salut, salut! Fait que là, t'as l'estite folle qui appelle la police. Tu sais, moi, je commence à courir, j'ai du moche dans mon sac. Tu sais, je vais pas me laisser attraper avec tout ça, ça coûte fucking cher. Fait que là, je me retourne. Qu'est-ce que je vois pas? La calice de cop. Big. What the fuck? Thomas, en veux-tu? Ah, ouais, non merci. Anyway, j'ai quelque chose de mieux dans mon sac. Alex te donnait de la drogue. Finalement, il veut de l'argent. Alex me crache sur la mode. Il préfère suivre son propre tempo. Alex a fait un trip de trop. Passe-le dans la Thomas, là. Okay. Yo, t'en veux-tu? Je sais pas trop, j'ai jamais fumé. Oh ouais! Allez! Allez! Essaye! Prends un petit! Ah ouais, Etienne a raison, là. Des buzz. Il sait jamais tuer personne. Regarde, tu peux me faire confiance, tu me connais. Ah ouais, mon homme. Allez, respire. C'est bravo, that's my man. Shit, les gars, je pense que je suis en train de mourir. Tu peux pas battre. Tu vois, je te l'avais dit de pas y aller. Maman. Je fais tout pour toi, puis c'est de même que tu me remercies. Bonjour Thomas, je m'appelle Pierre, je suis le médecin qui s'est occupé de ta mère. Sache qu'elle va bien. Selon moi, ça a juste pas été facile pour elle ces derniers jours. Mais son état est stable. Tu devrais pouvoir rentrer avec elle ce soir. Écoute Thomas. Je pense que ta mère va avoir besoin de toi ces prochains jours. Est-ce que je peux compter sur toi? Super.